Eh bien salut tout le monde, salut les amis, salut YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour le premier épisode de Far Cry 5, nous sommes sur PS4. Donc si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser le petit like, hein, des familles qui fait toujours plaisir, c'est la récompense, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et c'est parti. Alors, homme. Ok, choix définitif. Le choix est définitif. Et je vis apparaître un cheval blanc. L'enfer marchait à sa suite. Le père. Le Montana. On va mettre un peu plus de son. Tous ces trésors. C'est pas une région comme les autres. Et c'est ma maison. J'ai toujours vécu là. Je reste émerveillé par cette beauté. Père Joseph. C'est pour ça qu'on n'a pas vu la situation dégénérer. Et soudain, c'est bonjour à toi, mon frère. Vous ne comprenez pas. On ne les prenait pas au sérieux. Ils étaient différents. Religieux. Militants, c'était une putain de secte. L'effondrement approche. Ah, faudra peut-être que j'active les sous-titres aussi. Ils ont commencé par acheter toutes les fermes. Ensuite, la station de radio. Et puis très rapidement, ces connards de flics ont rejoint leur cause. Un véritable état religieux. Installé là. Sous nos yeux. Ah non. Personne ne pourra nous aider. Le gouvernement fera rien. Bordel, on est tout seul. Dieu exige que nous sauvions ces âmes perdues, qu'elles le veuillent ou non. Les gens refusent de c'est croire un Instagram. Que ce genre de groupe existe. Les gens ont peur, putain. Certains s'en prendront à nous. Certains voudront détruire tout ce que d'ailleurs, nous n'hésitez pas à me rejoindre ensemble sur Instagram si vous ne l'avez pas encore fait. Arnaud Sunshine, le tout collé. Le mois prochain, il y aura God of War à gagner. Qui ? Leur leader. Joseph Si. Il l'appelle le père. Et contrairement j'ai dit à père nous, Joseph tout à l'heure, non ? C'est père Jérôme que je voulais dire. Il ne croit pas. Père Jérôme. Ils n'ont pas la foi. Je leur ouvrirai les yeux. Ah, il va crever les yeux. Ellie s'est évanouie de douleur. Service loss. Petit, tu perds ton temps, il n'y a pas de réseau ici. Ok. C'est bon à savoir. Je franchis la rivière Enbane. Et ben il s'est fait une statue et tout. Hein. On est bien là, oh calme. C'est encore loin. Juste assez pour que vous puissiez changer d'avis. Et qu'on fasse enfin demi-tour. Vous voulez que j'ignore un cheval blanc. Non, non. White horse sur le horse sur le Joseph Seed. Sur la chemise. Faut éviter de déconner avec lui. On a déjà croisé sa route et ça s'est rarement bien terminé. Je dis juste que parfois, on peut aussi détourner le regard. Ouais, ben, ici, il y a des lois à respecter, shérif. Et Joseph Seed va devoir s'en rendre compte. Affirmatif. Il faudra les buter. Brat, mon grand. Tu veux bien appeler le central, s'il te plaît? C'est fait. Whitehorse à central, à vous. J'écoute, Earl. On approche de l'objectif, Nancy. À vous. Compris, shérif. Non, toujours on pas. A malheureusement pas réussi à raisonner notre ami le Marshall. À vous. Ok. Il a de la chance que je sois pas là. Si vous avez des ennuis, prévenez-moi. À vous. Ok. Compris, terminé. On aurait peut-être dû emmener Nancy avec nous plutôt que le nouveau. Ces tarés la feraient jamais chier. Prat. Les tarés, c'est une trouvaille en vous. C'est parce qu'ils sont rien d'autre, des tarés. Franchement, ils méritent pas qu'on les appelle autrement. En gros, ils ont débarqué gentiment il y a quelques années, mais là, ils sont armés jusqu'aux dents. Et ils sont prêts à se battre. Mmh. Vous avez peur, shérif ? Est-ce qu'on peut bouger la tête ? Oui, on peut bouger la tête. Ils font des feux de camp. Oh, mon Dieu. C'est vraiment pas une bonne idée. Dernière chance, Marshall.
c'est parti. On descend. Pratt, bien compris. Tout le monde descend. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse des lives dessus, sur ce jeu. On se fera des missions secondaires en live, hors vidéo. Ok, ça marche. C'est compris ? Yes, sir. Alors c'est parfait. Ouvrez l'œil. On y va ! Alors déjà, attendez, 2 secondes, hop, on va aller dans les options. Dalteny ? Ah non, c'est pas pour moi. Comment on fait pour valider ? Ok, faut juste faire rond et c'est bon. Rond. Ça sauvegarde automatiquement ? Ok. Allez, c'est parti. Il est dans l'église, suivez-moi. C'est l'hélico. Par ici, reste cool, ok ? Ok. Que tout le monde reste calme. Ah, ici, pote. Amazing Grace. Chérif, ça me plaît pas. Tout ira bien, Hudson. Tout va bien se passer. Nom de Dieu. Vous portez des insignes. Salut, toi. Ouais, et ils respectent pas trop ça par ici. Ils vont respecter mon 9 mm. On résout pas tous les problèmes avec une balle, Marshall. Mais avec deux. Allez, je sais qu'ils veulent m'attaquer là. Ils ont des dogs et des rottes. Allez, allez, on y va. Hey Marshall, si on fait ça, je veux que ce soit à ma manière, calmement, sans heurts. Ok. C'est compris. C'est compris. C'est compris. À la porte, tu nous couvres. Tu laisses entrer aucun de ces illuminés. Petit, avec moi. Et vous, Marshall, essayez. Essayez simplement de pas faire de conneries. Qu'est-ce qu'il écrit derrière la tête du Marshall ? Du calme, shérif. Vous êtes sur le point de faire la une des journaux. Revelation. I am. Ça va aller. Je sais pas, faudrait mettre pause peut-être. Quelque chose approche. Vous le sentez, n'est-ce pas ? Tout à fait. Nous nous rapprochons du précipice. Et il y aura des comptes à rendre. On peut pas tourner la tête si. C'est pour ça que nous avons ce projet. Car nous savons ce qu'il va se passer. Ils viendront. Ils voudront nous priver de tout, de nos armes, de notre liberté. La liberté de penser. De notre foi. Mais nous ne les laisserons pas faire. Shérif, doucement. On y va, doucement. Terminer leur avarice. Fini leur immoralité. Ne laissons plus passer leur perversité. Shérif. Nous allons refuser de souffrir. Bon, ça suffit. Joseph Seed, j'ai un mandat d'arrêt fédéral contre vous. Vous êtes accusé d'enlèvement et de séquestration. Alors ils ont une bête d'écran quand même derrière. Les mains bien en évidence. Qu'est-ce qu'il y a écrit à droite, Eden ? Non. On peut avancer ? Non, on les peut pas avancer. Les criquets. On peut juste bouger jardin. La tête. Ils sont venus pour moi. Ils sont venus pour m'éloigner de vous. Ils sont venus pour détruire tout ce que nous avons construit. Attendez, laissez votre arme dans cet étui. Très bien. Reculez tous immédiatement. Reculez. Ça suffit. Laissez vos armes. Ça suffit, il a dit. Bien. Nous ne sommes pas vraiment surpris. Nous étions préparés. Allez. Allez. Dieu ne les laissera pas manquer. Voilà. Je vis l'agneau ouvrir le premier sceau, et j'entendis dans une voix semblable au tonnerre l'une des quatre bêtes dire « Viens et vois ». Allez, on avance. Et je vis. Il me fait penser un peu à Vaz, pour ceux qui connaissent FC3. Cheval blanc. Et l'enfer. Et l'enfer derrière, derrière lui.
Petit, passe les menottes à cet enfoiré. Oh que oui. Dieu ne vous laissera pas faire. Non. Crois, arrête le père. Parfois, la meilleure des options, c'est de faire demi-tour. Ubisoft present. Maintenant, moi, je sais quoi faire. Allons-y. Faut pas s'arrêter, en fait. Marc, chapitre 1, verset 4. Ou verset 4, chapitre 1. Faut qu'on se casse de cet endroit. Non, c'est chapitre 1, verset 4. Mais en anglais, il garde le même ordre. Enfin, je crois. Ok, ok. Maintenant, je sais qu'il faut pas s'arrêter, il faut juste avancer. Mais non, dégainez pas. Cinématique. Cette fois-ci, c'est une cinématique. Oui, voilà. Donc, Ubisoft présente une production Ubisoft Montréal, Toronto. Oula. Et lui il chante, au calme. Oula, il y en a un qui s'est jeté sur l'hélice. Grace, il chante. Allez, on se réveille, on reprend conscience. Donc l'hélicoptère s'est crashé et on est upside down. Donc la tête en bas. Il y a quelqu'un. Je t'avais dit que Dieu ne te laisserait pas me prendre. Et t'avais raison. Je confirme. Hey, j'ai besoin de savoir ce qui se passe. On s'est crashé. M'aider. Oh mon Dieu. Nous n'avons aucun problème. Pourquoi il me fait penser à Vass? Pas besoin d'appeler qui que ce soit. C'est peut-être parce qu'il cligne pas des yeux, peut-être. Oui, oula, elle était complice. Ouais, c'est peut-être ça, c'est parce qu'il cligne pas des yeux. Personne ne va venir te sauver. Ah si, ça y est, enfin. Dieu vous garde sous l'ombre de ses ailes protectrices. Tout se déroule selon les plans de notre Seigneur. Je suis toujours avec vous. Le premier sceau est brisé. L'effondrement a commencé. Et nous prendrons tout ce qu'il nous faut. Nous protégerons nos possessions. Et nous tuerons tous ceux qui s'opposeront à nous. Et ainsi, les messagers de l'Apocalypse se feront la vérité. Bon, ils n'ont pas fini de gémir là. Oh. Que la récolte La récolte commence. Du sang, des organes. Bon,
Bon, il faut des yeux, des cœurs, des zizi, des zigounettes. Des langues. Allez, allez. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, on trace. Allez, zig zag, zig zag, zig zag, zig zag. On va passer par ici. On va passer par ici. On passera pas par là. Hop, voilà. Est-ce qu'il me voit de là? Non. Hop, on va zigzaguer. Hop. Là-bas, il y a un grillage. Je me demande, est-ce qu'on peut faire demi-tour et tuer le père? Le père Joseph. Non, on peut pas, je pense pas. On frappe avec quoi? Oula, il y a quelqu'un par là-bas. Non, on peut pas frapper. Discrétion. R3, ok. C'est un... Ah d'accord, faut maintenir, pardon. Je voyais pas le truc. R3. Hein? Ah, rond, d'accord. R3 pour frapper. Ah oui, il y a quelqu'un là. J'avais pas vu. Attaque de mêlée. C'est comme dans les anciens Call of. Triangle pour changer d'arme. Ouais. Carré pour recharger. Qu'est-ce qu'il y a à prendre ici? Ring. Pillé. Pourquoi piller? Se servir. Pourquoi vous sauter par la fenêtre? Allez, on trace. Oula. Dis pas d'op. C'est bon, y'a personne. Ah, par là-bas. Et comment on sort déjà? Bon. Triangle. Ok, triangle. Oui, il reste des survivants. Je suis là. Alors, attendez, il y a quelqu'un là. Enfin, il y a quelqu'un, il y a une maison. Hop, dis pas d'op. Comment on fait pour zoomer? R2, ok. Pour l'instant c'est ok. Et j'ai pas d'autre vision. Ok, on va foncer. On va foncer, on va foncer, on va foncer. On va pas trop ralentir le rythme de la vidéo. La cadence. On est d'accord, hein, y a personne. Hein. Allez, on va d'abord regarder s'il n'y a pas des trucs à pécho. Non, on peut pas rentrer par là. Ah, nécessite la clé. Qu'est-ce qu'il y a par ici? On peut. Des flamants roses. Alors, petite anecdote, savez-vous qu'il existe plus de flamants roses artificiels que de vrais dans la nature? Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Ah, cinématique, on va se taire. Oh non, je tire. Merde. Désolé. J'ai cru qu'il... qu'il savait... Allez. Allez. Fouille la pièce, vite. Oh Seigneur. J'aurais jamais cru... On va foutre tous ces connards derrière les barreaux. La famille. Putain, fanatique. Bienvenue à Hope Country. On va sortir de ce merdier, petit. Pour commencer, il nous faut des armes. Tiens. Écoute-moi. Voilà ce qu'on va faire. Ah, il y a une gratte au fond. Est-ce qu'on peut la prendre? Du coup, on n'a même pas fouillé la chambre. Il a dû fouiller la pièce. Dans quelques heures, il a juste jeté un coup d'œil. Ensuite... Faut qu'on revienne ici, avec toute la garde nationale, et on se débarrassera de ce qui reste. Okay. Oula, ils nous ont retrouvés, ils sont à gauche. Ils
Hein, déjà ils nous ont repéré. Ah, c'est scripté, d'accord. Ok, ok, c'est du script. Bon. On peut toucher la gratte? Ah non, on peut pas. On a même par ici. Oula. Voilà, toi tu crèves. Aïe. À un moment, j'ai cru qu'il allait sortir en mode Akimbo. Ah ouais, t'as beau être matinal, mais t'as mal. C'est normal. Meurs. On bouge beaucoup trop vite. La cam bouge beaucoup trop vite, va falloir que je... Hein, sérieux? T'es pas sérieux. De toute façon, tu peux pas crever, non? Ok, headshot. Ouais, je vais te réanimer, t'inquiète. Ils arrivent vite. Ouch. Non, rentre. Mais non. Mais... Mais... Oula. J'ai bien cru que j'allais crever. Il s'est recouché. Non, mais il est pas sérieux. On dégage. Voilà, ça c'est fait. Allez, hop, on sort par là. Le coup d'emploi est donné. Merde. T'es pas sérieux d'être venu mourir ici? T'es vraiment pas sérieux, toi? Non, mais... Je vais bien. Au boulot. Allez, on monte. Ça va pas le faire. Ça va vraiment pas le faire. Attention. Allez. Hop, toi tu dégages. Tout va bien ? On recharge, oui. C'était du beau boulot. Maintenant je sais quoi faire. Donc on a 3 médikits au total. Il faudra que je fasse gaffe. Mais avec un bon plan, on sait pas à qui on peut se fier. Putain de Nancy. Ok, ok. Oh non. Oh non. Un barrage. Maintenant j'essaie de tirer. Là tu meurs. Et toi aussi sur la voiture. Voilà. Merde. Repousse-les. Ah mais ils font mal. Je peux pas le contourner. C'est pas grave. Accroche-toi. On quitte le compte principal. Ouch, ça a piqué. Oui, 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 mais c'est bon. Ils attendront. Chacun son tour. Mais crève! Non, c'est abusé. Je suis en train de me faire défoncer. Ok, ça c'est fait. Ok, c'est là où on est tombé la dernière fois. Ça va, pour l'instant on se fait pas toucher, donc la vie va remonter. Faut que j'économise mon medikit. Mais non. Voilà. J'ai eu le chauffeur, je crois. Même pas? Attendez, 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 je suis en train de crever là. Je suis en train de me faire défoncer. La vie remonte pas. Non, mais si je sors, je meurs. Je peux pas sortir. C'est bon.
c'est bon, il suffisait juste de temporiser. J'espère que la vie va remonter. Non, rentrez. Encore un. Ah, la vie qui remonte. Oula, il m'a foutu une bastos. Une bastos. J'ai pris cher. Là, il y a tout qui pète. Et dans la flotte. Va falloir sortir. C'est pas un micro peut-être. Ou c'est une cinématique. Cinématique. On peut rien faire. On ne peut rien faire. Ça y est, on est safe. On est sorti de l'eau. Ah, il s'est fait pécho. Oula. Mes enfants, nous devons rendre grâce au Seigneur. Nous devons rendre grâce au Seigneur. Le jour dont j'ai fait la prophétie, est enfin là. Tout ce que je vous ai dit s'est réalisé. Tout ce que je vous ai dit s'est réalisé. Les agents qui ont essayé de m'enlever à vous ont désormais rejoint les bras aimants de ma famille. Tous sauf un. Eh ben, qui aime bien châtie bien, comme on dit. Vers le salut. Tu sais ce que ça veut dire? Non, mais tu vas le dire. Ça veut dire que les routes ont été barrées. Voilà, j'en étais sûr. Toutes les lignes téléphoniques coupées. Mm-hmm. Plus aucun signal ne peut entrer ou sortir de cette vallée. Mais ça veut surtout dire qu'on est dans la merde. Mm-hmm. T'inquiète pas, je vais te sortir de là. Ils sont persuadés que maintenant c'est la fin du monde. Et ils attendent que ça. Depuis longtemps, ils attendent l'arrivée d'une espèce de messie qui réaliserait leur prophétie et viendrait lancer leur putain de guerre sainte. Mmh. Et c'est ce que t'as fait, officier. Je sais, on m'appelle J dans le milieu. Docteur J. Pourquoi docteur? Parce que je fais des miracles. Franchement. Si j'étais malin, je me contenterais de te livrer. Mais tu vas pas le faire, dis, hein? Sinon, je te ferai la peau. Tu le sais, ça? Merde. Bien. Bonne résolution. Voilà, easy. Ah, bien. Alors, on fait ami-ami? Maintenant, enlève-moi cet uniforme, on va le brûler. Et puis là, t'as des vêtements. T'as plus qu'à te changer. Puis après, tu viens me voir. Ok. On va voir ce qu'on peut faire pour essayer de régler ce merde. Ça fait combien de temps? Ça fait 34 minutes. Et puis on va brûler les vêtements. Où c'est que c'est? Là. Se changer. Ok. Ouais, on va vraiment prendre ça. Allez, carré pour confirmer. Et voilà, on a notre perso. On a notre perso. Et ça fait quasi 40 minutes. Donc on va se laisser par là pour cette vidéo les amis. N'oubliez pas de laisser le petit like des familles qui fait toujours plaisir. De partager la vidéo sur Twitter, Facebook. Et je vous dis donc à de suite pour le deuxième épisode de Far Cry 5 sur PS 4. Allez, ciao bye et peace peace.